Bienvenue tout le monde. Je me nomme Richard Brick et je suis un des directeurs des Prairies des Territoires du Nord-Ouest à l'Assemblée nationale, à l'Association nationale des retraités fédéraux. J'animerai le webinaire pour le RPC et le potentiel RPA, c'est-à-dire le régime de pension de l'Alberta. Dans un esprit de vérité et réconciliation, je vous invite à réfléchir un petit instant sur le terme des Premières Nations où vous vivez votre retraite, ce que ces lieux vous procurent et combien l'intendance des Premières Nations de ces terres a sûrement contribué à ces magnifiques paysages très variés de partout au Canada. Moi, je vous parle d'Edmonton en Alberta, le lieu de rencontre traditionnelle des nations suivantes, les Tapis, les Métis, les peuples Nakota-Sioux. Notre association représente près de 170 000 membres actifs et à la retraite, issus de la fonction publique, les forces armées canadiennes, la GRC et les juges nommés au fédéral à la retraite, leurs partenaires et survivants. Depuis nos débuts, nous défendons les intérêts de tous les Canadiens à la retraite et protégeons le fonds de pension et autres avantages sociaux de nos membres. Notre travail est non partisan et consiste à défendre les intérêts de tous les retraités au Canada pour leur assurer une retraite dans la dignité et la santé. Au mois de septembre, le gouvernement de l'Alberta a présenté le rapport qu'il a commandité sur l'enjeu de la possibilité de quitter le RPC et créer le RPA. Cette même journée, notre Association des retraités fédéraux a demandé à ses membres s'ils appuyaient la proposition gouvernementale de l'Alberta. En un jour, seulement plus de 100 000 membres ont réagi. La majorité, c'est-à-dire 95% des membres, se sont déclarés contre. Et à la question, croyez-vous que notre association des retraités fédérés se doit de défendre activement le RPC, le RR Québec? 95% se sont déclarés en faveur. Depuis, notre équipe du personnel compose avec un grand nombre de courriels qui font état d'une inquiétude. Et c'est pour cela que nous vous offrons ce webinaire sur ce qu'est le RPC et l'effet potentiel du retrait du RPC par l'Alberta pour créer son propre régime de pension. Nous allons apprendre sur la performance du RPC et les possibles conséquences d'un nouveau régime albertain. Merci de vous joindre à nous en si grand nombre. Merci à notre conférencier Jeffrey Hodgson. Il s'est joint à la division investissement du RPC en 2017. Il dirige les affaires mondiales des parties prenantes qui a pour rôle la gestion des relations d'affaires, relations avec les effectifs, les communautés et les groupes de défense des intérêts, les groupes de réflexion et d'analyse, les universitaires, les experts en matière de pension. Il compte plus de 20 ans à titre de journaliste des finances sur trois continents. Il amorce sa carrière chez Bloomberg News à Toronto, suivi d'une grande expérience chez Reuters en tant qu'éditeur et journaliste, soit à Londres et Hong Kong, où il a dirigé la couverture asiatique en matière de gestion de leurs actifs. Il fut éditeur national des affaires pour la presse canadienne, responsable du travail des journalistes à Toronto, Ottawa, Montréal, Calgary et Vancouver. Il est diplômé en journaliste de l'Université Carleton à Ottawa. Ceci dit, passons aux petites consignes en mode Zoom. Premièrement, nous enregistrons le webinaire et nous ferons parvenir l'enregistrement prochainement par courriel si vous êtes enregistré cette semaine. À l'écran Zoom, les images liées à la présentation pourraient être difficiles à visionner si la fenêtre du conférencier cache une partie de la diapo. Dans le coin supérieur gauche, cliquez pour minimiser ou déplacer avec la souris. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur
Enter ou exit full screen pour minimiser ou élargir la fenêtre. Sachez que les orateurs seulement seront visibles. Pour poser une ou des questions, veuillez cliquer sur le bouton Q et A pour toute question en bas d'écran. Pour ouvrir la fenêtre questions, tapez-y votre question et cliquez Envoi ou Send. Nous allons répondre aux questions à la fin de la présentation, mais s'il vous plaît, tapez vos questions dès qu'elles vous viennent à l'esprit pour nous guider dans notre offre de services à suivre. Pour voter sur une question, utilisez le pouce en l'air, le pouce levé. L'option chat n'est pas disponible. Il est important de souligner que Jeffrey ne peut discuter que des enjeux liés au RPC, son rendement et les conséquences possibles d'un éventuel RPA. Important de ne pas demander un parti pris de sa part, un parti pris partisan de sa part. Comme à l'habitude, nous vous invitons à poser des questions pertinentes et respectueuses. Jeffrey ne peut répondre à des questions d'ordre personnel, de vos finances personnelles, évidemment. Alors, nous n'allons pas répondre aux questions si on demande d'adopter une partie, un parti pris partisan. Alors, nous voulons que vous soyez aussi renseignés que possible. L'option chat en bas d'écran n'est pas disponible. Et donc, utilisez le QEA pour poser des questions. Et si vous devez quitter, vous cliquez sur Leave, le coin inférieur à droite. Alors, c'est maintenant à vous la parole, Jeff. C'est lancé. Merci pour ce qui a trait à mes reconnaissances. Katie et moi, ma collègue, nous sommes à Toronto, du traité 13. Et moi, je suis originaire de. Katie est originaire de l'Ouest et du traité 6 alors. Alors, ravie de votre écoute aujourd'hui. Nous allons revoir quelques items. Premièrement, je vais faire une revue du régime de pension du Canada. Et nous allons étudier les possibilités en lien avec un régime de pension albertain. Alors, si on parle du RPC, le régime de pension du Canada, je dirais qu'on est le moteur d'investissement. Moi, ma division, nous travaillons indépendamment. Nous sommes je suis directeur général d'investissement mondiaux à l'Office d'investissement du régime de pension du Canada, à l'RPC alors. Et donc, nous sommes basés à Toronto. Nos bureaux sont ici à Toronto et à Londres et à Hong Kong. Plus de 21 000 Canadiens participent dans notre régime de pension du Canada. Cette connexion et plus de 2,8 millions participent à notre régime de pension du Canada. Pour mettre l'accent sur notre rôle, je vais parler de nos objectifs selon la législation. Nous espérons offrir les fondements pour assurer la sécurité à la retraite. Ces objectifs, donc, si vous êtes intéressé, et je vous encourage toujours à étudier. Vous pouvez aller en ligne et étudier la loi sur le régime de pension du Canada et comment nous sommes régis et nos obligations à gérer les investissements dans les meilleurs intérêts des investisseurs que vous êtes. Et pour obtenir un rendement maximal sans risque exagéré. Alors, maintenant, a été créé dans les années 60, avant cela, plusieurs décennies avant,
C'était la sécurité de la vieillesse et c'était appuyé par les contribuables. Le gouvernement s'est dit dans les années 60 qu'on aimerait faire quelque chose de plus pour appuyer les Canadiens à la retraite. C'était en lien avec les enjeux de la pauvreté des aînés. Si vous étiez aîné à cette époque, vous viviez deux fois plus que maintenant, vivez dans la pauvreté. La chose a changé aujourd'hui. Non, maintenant, il est très rare que les Canadiens à la retraite soient au seuil de la pauvreté. Alors, le régime de pension du Canada a été créé dans les années 60 et à ce moment-là, les pensions et le gouvernement fédéral pour créer son régime a dû obtenir la permission des provinces et le Québec a choisi de rester indépendant du régime des pensions du Canada. Et c'était un système pay-go que je connaissais pas, une nouvelle terminologie que j'ai appris à arriver ici, un système où 6,5 travailleurs pour chaque retraité. Ceci veut dire que la main-d'œuvre payait les contributions et ceci créait un fonds qui s'alimentait et pouvait croître de façon énorme pour bien financer la retraite des aînés qui étaient en petit nombre. Mais dans les années 90, les facteurs démographiques ont changé et je vais en parler. À tous les 3 ans, le plan fait l'objet de la vérification par l'actuaire en chef du Canada. Ils vont vérifier et vont revenir aux dirigeants du plan, 9 ministres des Finances, incluant celui de l'Alberta. Au début des années 90, ces ministres des Finances ont appris que le bureau de l'actuaire en chef du Canada a dit, selon les tendances actuelles, il y avait un fonds investi dans les obligations provinciales et qu'il allait être annulé si il serait vidé de toute contribution si on ne continuait pas si on ne veillait pas à corriger le problème. Alors, ces ministres de la Finance, des différents points de vue politiques ont apporté des changements importants qui ont assuré la pérennité du plan. Et donc, ils ont créé le conseil d'administration du régime de pension du Canada. Et nous avons été créés plutôt qu'investir dans les obligations provinciales. On a jugé qu'il serait important d'avoir un objectif d'optimiser le rendement et d'obtenir des rendements plus importants pour assurer la pérennité. Et nous voulons clarifier parce que plusieurs personnes disent quand ils me rencontrent, je présume que vous êtes à Ottawa, mais non, on ne l'est pas parce qu'en fait, le régime de pension du Canada est indépendant et connecté, mais est une structure indépendante. Alors, le plan coopératif fédéral provincial est administré à Ottawa et c'est un département qui va remplir vos demandes de prestations. C'est une structure à partir d'Ottawa, mais les investissements relève de l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. On est là pour gérer ces investissements. Nous sommes gouvernés et gérés indépendamment pour le RPC lui-même. Nous sommes indépendants du gouvernement selon les directives des ministres et les actifs sont dépendants des fonds gouvernementaux, mais nous sommes imputables à ces ministres du fédéral et du provincial, de chaque province. Et on parle de certains succès à générer les rendements
Pour ce qui a trait au succès, ce n'est qu'en commentaire, on dit que nous sommes l'exemple mondial de succès. Nous opérons de façon indépendante et nous rapportons à un conseil d'administration indépendant qui décide du choix du PDG, des politiques d'investissement, etc. Alors, ceci nous maintient, nous aide à maintenir notre indépendance. À la fois, nous sommes imputables. Pour ce qui a trait à l'imputabilité, certains gérants, gestionnaires vont rapporter une fois par année, c'est-à-dire, nous, c'est aux 4 mois, 3 fois par année, de façon trimestrielle, dans toutes nos transactions. Il y a autre niveau de vérification et d'imputabilité. À tous les 2 ans, nous tenons une rencontre avec le public. Et c'est à tous les 2 ans, c'est dû pour 2024. Et donc, nous allons, j'espère, faire un partenariat avec l'Association nationale des retraités fédéraux pour que vous soyez bien renseignés à cet effet. Je parle à plusieurs bénéficiaires et cotiseurs, mais je suis inquiet que les gouvernements soient à vouloir imposer ce dans quoi on doit investir. Mais non, nous opérons de façon indépendante avec ce conseil d'administration indépendant. Est-ce que le gouvernement fédéral ne pourra pas changer ça? Non, parce que c'est les pensions sont une responsabilité provinciale, mais un modèle qui relève du gouvernement. Alors, si vous voulez apporter un changement, comme veut le faire l'Alberta, il faut l'approbation du gouvernement pour apporter des changements au RPC. Or, le gouvernement fédéral, plus au moins 7 des administrations suivantes, les différents gouvernements provinciaux. Alors, ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas le faire sans l'approbation de 2 tiers des provinces et 2 tiers de la population. C'est un niveau de protection pour préserver cette relation d'indépendance qui fait partie de notre modèle. Maintenant, les facteurs importants, on me demande comment ça va? Les contributions nous mène à quoi? Alors, si vous regardez ici, on met l'accent sur nos rendements à long terme. À chaque trimestre, depuis 2 ans, nos placements immobiliers sont de 9%, après tout à 9,6%, et ceci mène à des bénéfices à cause de l'effet composé. Alors, nous avons pu assurer un rendement très important et pour ce qui a trait au niveau global, vous avez des chiffres ici que, alors, c'est cette C'est ce Global Sovereign Wealth Funds and Public Pension Funds. C'est une entreprise, une organisation qui fait le classement mondial de tous ces fonds de placement. Si vous regardez ce graphique, nous occupons le premier rang mondial et notre rendement annualisé est de 10,9%, un rendement supérieur non seulement à tous les gestionnaires États-Unis, la Californie, les teachers, mais sur le plan mondial, nos rendements étaient les plus élevés sur les 10 dernières années, supérieurs aux fonds souverains. Alors, à l'exception de l'Angleterre, alors nous avons le privilège
d'occuper le premier rang mondial en rendement. Nous sommes basés à Toronto, mais les bureaux de Hong Kong et London de Londres, c'est-à-dire. La raison que l'on fait ceci, c'est que nous croyons qu'avoir une présence sur le terrain pour tenir compte des transactions et des opportunités pour évaluer les actifs que nous avons, une surveillance étroite de monitorage pour évaluer les rendements. Nous croyons que ces deux bureaux de Londres et de Hong Kong nous ont aidés à trouver des investissements et à être bien placés. En raison de notre gestion active qui a commencé en 2006, notre conseil d'administration a évalué pour dire, à ce moment-là, nous étions à investir dans d'autres marchés. Et la question était, pardon, est-ce qu'on doit faire le suivi des marchés et suivre l'index ou est-ce qu'on pourrait optimiser nos résultats sans exagérer le risque? On nous a rassuré que oui, on pouvait. Alors, l'organisation croyait que nous avions des avantages structuraux qui nous étaient tout à fait naturels. Ceci tient compte de l'horizon où nous pouvons être des investisseurs très patients. Et moi, je suis là en poste depuis 6 ans où nous avons décelé des opportunités où nous avons pu mettre à profit à grande échelle. Et la certitude était toujours protégée malgré les marchés appelés à moduler, à faire fluctuation. Et donc, nous, en raison du talent dans notre équipe d'investissement et nos partenariats, nous avons une approche totale du portefeuille. Allez à notre site web, ça vaut la peine pour mieux comprendre. Une fois de plus, pour ce qui a trait au fonds, notre orientation est très mondiale. Un économiste du prix Nobel a dit qu'il était important de diversifier non seulement dans les catégories, mais sur le plan mondial. Alors, on peut investir dans les actions de société, les placements immobiliers, les types de créances, les titres à revenus fixes, les actions de société ouverte, les infrastructures. Alors, il y a également du côté, nous avons créé alors, cet effet, nous avons créé un bras de gestion, de répartition et dans la. Vous avez vu à Alberta, Gale, qui est à construire un complexe pétrochimique à Edmonton qui doit être carbone neutre. Pour l'opération du Alberta Carbon Run Line pour créer la neutralité du carbone. Et donc, nous sommes à investir dans la province également. Et finalement, si j'ai un message dans ce contexte, si vous allez voir, nous avons vu des polls qui disent que la majorité des Canadiens ne savent pas s'ils peuvent faire confiance au régime de pension du Canada. Bien, nous avons fait faire une étude de l'actuaire en chef du Canada qui indique que le RPC est viable pour au moins les 75 prochaines années. Et nous vous rappelons
que parce que le RPC est investi de façon durable et est protégé contre toute ingérence politique. Et à ce jour, a contribué à réduire le taux de pauvreté des personnes âgées, le faisant passer de 30% dans les années 60 à 2% en 2020. Et donc, nous croyons qu'à communiquer l'importance de ces facteurs et la stabilité de notre régime de pension est difficile à remettre en question. Comment justifier un autre régime de pension quand il prend le premier rang sur le plan mondial, lorsqu'évalué par le Global Sovereign Wealth Funds and Public Pension Funds? Allez à leur site web, c'est impressionnant. Quand le jeune Stephen Harper a créé la lettre du firewall. Je suis de la Saskatchewan et je comprends alors que les relations entre certaines provinces de l'Ouest et le gouvernement fédéral ont se trouvent sous une certaine tension, à savoir si le gouvernement provincial pouvait se privilégier d'un RPA, un régime de pension albertain. Ralph Klein a dit non, ça n'a pas de sens. Et donc, ça a été étouffé jusqu'à ce que Kenney revienne au pouvoir il y a 6 ans. Et il a créé le Fair Deal Panel pour étudier la question. Et donc, Morneau Chapelle a été embauché pour commandité pour faire une étude et émettre un rapport qui a été émis en 2023. Je pense que vous l'avez constaté, ça a été exposé lorsque la nouvelle première ministre d'Alberta a été élue. Alors, suite à ce rapport, le chiffre important a créé beaucoup de tensions. On parle des avantages pour un RPA, un régime de pension albertain. Alors, j'aimerais en parler un peu et vous aider à évaluer le tout, cette décision. C'est une responsabilité selon leur constitution et donc c'est certainement possible. Premièrement, ce rapport a dit que la province aurait droit à 330 milliards de dollars ou 60% de notre fonds RPC. Alors, les Albertains ont contribué près de 60% des actifs du RPC. Et ceci explique pourquoi ils auraient le droit de retirer plus de 330 milliards de dollars. Et donc, selon le rapport de Morneau-Chapelle ou LifeWorks, leur nouvelle appellation, il y a une formule, la législation du RPC qui fut mis en place dans les années 60, bien avant que nous soyons créés, nous, du RPC. Alors, un expert a dit qu'il y a beaucoup de termes vagues qui émettent une formule, mais n'égalent pas 100%. Et donc, quand LifeWorks ou Morneau-Chapelle ont dit c'est A plus B, et l'Alberta aurait droit à 117% des actifs du RPC, mais ce n'est pas faisable et ça n'a aucun sens. Alors, c'est pour cela qu'ils ont créé leur propre formule qu'ils ont inventée. Et donc, nous avons énoncé que c'était quelque chose d'inventé de toutes parts. Et
Il y a beaucoup d'incertitudes à cet effet. Et les facteurs en faveur d'un RPA, régime de pension Albertain, ils croient que ces chiffres sont trop élevés et tous les bénéfices projetés seraient trop élevés. Une autre considération, et la raison que c'est soulevé, c'est que le fait que l'Alberta a une population plus jeune et plus aisée, des facteurs démographiques ont déjà commencé la tendance au vieillissement. Alors, à savoir quelle sera la voie de l'avenir. Et nous avons un exemple à cet effet. Les taux de contribution sont une considération et nous en parlerons un peu davantage. Pour ce qui a trait au plan, il est harmonisé du point de vue du travailleur et du retraité. Vous payez le même montant si vous êtes à Toronto, en Alberta, en Saskatchewan. Vous allez recevoir les mêmes bénéfices. Alors, même cotisation, même bénéfice. Et j'ai trois frères sœurs plus jeunes. Dans la vingtaine, ils ont été travailler en Alberta pour un bon nombre d'années. Ils sont retournés à Saskatchewan, mais le rapport Morneau-Chapelle, LifeWorks, n'ont pas saisi ce mouvement, n'en a pas tenu compte. Pour revenir au Québec, vous voyez, c'est une leçon à prendre, la façon que le Québec s'est aligné et de façon indépendante. Et du début, ils ont choisi d'être indépendants du régime de pension du Canada. Au début, la population était beaucoup plus jeune, mais aujourd'hui, vous regardez les chiffres et la population des jeunes et des aînés est à égalité. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose que l'Alberta a présentement, un avantage de plus jeune un plus grand nombre de jeunes que d'aînés. Mais ça va changer avec le temps. Alors, comme résultat, les facteurs démographiques au Québec font en sorte que les Québécois doivent payer davantage pour obtenir le même bénéfice. Alors, vous allez cotiser davantage en raison des facteurs démographiques. Une autre considération, c'est la portabilité ou la transférabilité. Et donc, j'ai parlé de frères et sœurs qui vont travailler dans une autre province. Plusieurs de ma classe de diplômés universitaires se sont rendus en Alberta, ont quitté Saskatchewan. Et ce qui arrive, c'est que la portabilité, la transférabilité, si vous êtes à gérer une grande organisation, il faut vous faire venir des main-d'œuvre de l'extérieur. Et quand arrive à la retraite, il faut avoir une cote, il faut avoir préparé le tout par une cotisation suffisante. Et donc, il y a certaines inquiétudes par le monde des affaires, à savoir comment transférer et comment accueillir, inviter et à intéresser la main-d'œuvre qualifiée et de qualité. Et l'interférence politique pour si le gouvernement fédéral voulait faire un changement au RPC, ils ont besoin de consentement de 2/3 des provinces, 2/3 de la population, indépendamment du gouvernement. En Alberta, j'ai entendu dire, j'aimerais ça, moi, avoir un régime de pension albertain. J'aimerais que Daniel Smith prend ceci en charge. Mais c'est l'Alberta qui devra en décider, mais il faut prendre en considération
Et les autres leaders qui s'en suivront, comment vont-ils gérer ce même plan? C'est à prendre en compte. Plusieurs personnes ont vu les sondages et pour ce qui a trait au soutien envers un régime de pension de l'Alberta, ce n'est pas très populaire. Et ils sont à, maintenant, le gouvernement de Danielle Smith a commencé une campagne de renseignement et de consultation auprès de la population pour décider s'il y aura un référendum sur la question d'ici un an ou deux. Alors, il faut se rappeler que présentement, qu'il faut créer, et ça a été essayé en Ontario, quand Ontario a pensé faire ceci parce qu'ils voulaient augmenter la couverture. Ils ont étudié les facteurs administratifs. Ils ont compris qu'ils devaient créer une structure administrative pour chaque employeur de la province. Tout se fait automatiquement. Si c'est une grande entreprise ou une petite entreprise, vous allez payer les impôts par l'entremise de l'Agence du revenu du Canada et le tout se fait automatiquement. Alors, on pense que les frais pourraient être aussi élevés que 2,2 milliards de dollars simplement pour la mettre en œuvre et l'administration d'un nouveau plan. Et c'est déjà en existant, c'est déjà couvert pour tous les Canadiens d'année en année. Et donc, je pense que certaines entreprises craignent les failles en administration si c'était un plan qui serait créé en Alberta et toutes les entreprises seraient obligées de composer avec cela. Alors, vous avez vu la situation au Québec où les changements démographiques ont créé une situation comme une compagnie d'assurance. Plus vous pouvez répartir le risque, plus vous allez attirer une main-d'œuvre qualifiée. Alors, le retrait potentiel voudra dire des années de travail et si ce serait le référendum, comme vous le voyez à l'écran. Et ceci dit, ce sont les points saillants que je voulais revoir pour que vous puissiez comprendre un peu mieux notre rôle au sein du régime de pension du Canada. Notre PDG a fait une présentation à la Chambre de commerce de Calgary et nous voulons donc éclairer la population sur qui nous sommes, ce qu'on fait et nos acquis et le rapport de l'actuaire en chef du Canada indiquant que notre régime est viable pour au moins les 75 prochaines années. Alors maintenant, j'inviterai des questions. Nous allons faire de notre mieux. La première question est de Nelly. Elle veut avoir plus de renseignements en lien avec l'indépendance du RPC et le fonds d'investissement. Si le gouvernement vous disait d'investir davantage à Nunavut, quelle serait votre obligation? Notre obligation est selon la législation. La première diapo, alors la législation est claire. Alors, optimiser pour le maximum pour un minimum de risque. Alors, le premier ministre peut nous suggérer cela, mais vous seriez obligé de changer la législation et essayer d'obtenir l'aval de 2/3 des provinces et de 2/3 de la population du Canada. Alors, je vous encourage à voir ce que dit Michel Leduc, notre chef de la communication. Il en parlait. Il dit, écoutez,
On va à la pêche où il y a des poissons et où il y a les conditions de marché favorables. 40% du fonds est investi au Canada et c'est en harmonie avec notre mandat parce qu'il y a de très bonnes occasions d'investir au Canada. Mais pour ce qu'il y a à faire, c'est dicté par la législation et ça ne peut être changé que par l'aval de deux tiers des provinces et deux tiers de la population. Et une question à savoir, c'est pour l'Alberta pourrait créer son propre régime de pension en raison de ces deux tiers qui doivent l'approuver. Ceux qui ont cotisé au RPC l'ont fait parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient en dépendre. Mais alors, le deux tiers n'empêche pas les neuf provinces qui sont du régime, qui suivent le régime de pension du Canada pour donner une notice. Et donc, le pouvoir est avec les provinces. Ça a changé notre mandat. Il faut deux tiers, deux tiers. Mais pour ce qui a trait à la province qui veut quitter le plan, toute province qui est membre du régime de pension du Canada a le pouvoir de le faire. Question de la part de Judy. Faites-vous un suivi des récipiendaires de prestations, de prestataires? Je pense que vous avez fait voir ceci en diapo. Oui, c'est suivi. Je ne sais pas si nos chiffres sont du recensement ou l'administrateur du plan, vous le savez, Service Canada, le développement économique et social du Canada, qui travaille avec l'ARC lorsque les employés font leur contribution. Tout ceci passe par la structure administrative qui se trouve à Ottawa où vos impôts sont inscrits, etc. Alors, c'est là où se fait l'administration. Nous ne sommes pas à faire ce suivi. C'est le régime de pension du Canada qui fait tout le monitorage. Et donc, si vous changez de province, vous allez vous servir de votre numéro d'assurance sociale. Alors, vous avez cotisé, blablabla, numéro blablabla. Et donc, selon la formule, il a droit à ceci. Terry voulait savoir si un RPA aurait un effet sur GPA et OAS, acronyme anglophone. Pas selon au meilleur de mes connaissances, nous n'avons pas utilisé la diapo avec les piliers, les plans d'investissement privé, l'association privée des retraités. Et donc, GIS et OAS sont gérés par le gouvernement fédéral et à part des piliers du régime des pensions du Canada. Bon, je vais prendre une gorgée d'eau parce que vous avez une longue question. La question par courriel, à savoir, y a-t-il un conseil d'administration qui administre le RPC? Comment sont-ils choisis et quelles sont leurs qualifications? Oui, nous avons un conseil d'administration indépendant. Je pense que nous avons une diapo. Ah, la voilà, le conseil d'administration. Et donc, c'est le conseil d'administration nommé par nos dirigeants, les 10 ministres des Finances. Ce conseil d'administration est là, construit ou représente des experts en finance. Le nouveau président, Dean Connor, c'est l'ancien PDG de Sun Life. Alors, et vous avez Nadir Mohamed, c'est
l'ancien PDG de Rogers, qui siège maintenant à notre CA. Et alors, nos dirigeants et Judith Ataïde, qui est juste à côté de Dean Connor, elle est de l'Alberta. Ah, elle a été impliquée dans la construction des grands immeubles à Calgary. Alors, l'objectif dans la création de ce CA, que ce soit des experts de la finance pour un niveau très, très élevé de surveillance. On demande des questions en lien avec le régime de pension du Québec et comment il est géré, comment il se compare avec le régime de pension du Canada, régime des rentes du Québec. C'est la Caisse de dépôt à Montréal, basée à Montréal, quand le RPC fut créé en même temps, mais en harmonie, en lien avec les prestations. La Caisse de dépôt, selon le gouvernement du Québec, a décidé qu'ils allaient en faire la gestion. Ils ont un mandat double à contribuer au développement du Québec spécifiquement. Alors, un niveau de complexité pour optimiser les risques sans optimiser sans risque indu, mais tout à la fois à contribuer au Québec. Alors, si quelqu'un a cotisé au Québec et déménage en Colombie-Britannique exportable, il y a un accord entre RPC et le régime des rentes du Québec. Et je n'ai pas de détails à cet effet, mais il y a une structure pour accommoder ceci, surtout pour l'harmonisation des prestations pour que ce soit égal en lien avec le temps travaillé là. Et les contributions sont supérieures. Ils sont organisés de sorte qu'ils se parlent entre eux. Je parle aux professionnels de la paie qui vont faire état d'une certaine friction. Une personne à Gatineau. Et vous voulez qu'ils viennent travailler à Ottawa, vous, l'employeur. Ça devient complexe. C'est pas aussi facile qu'ailleurs. Mais ça se fait. Ils ont toujours été un plan séparé. Alors, c'est plus facile que si c'était un RPA là, de l'Alberta. Diana pose une question à savoir si le RPC était tout à fait désagrégé, si l'Alberta compte 53% de ce régime. Parce qu'on sait que le régime de pension du Canada est de un ensemble de 100%, c'est plus que 100% en fait, en raison de la Colombie-Britannique ou l'Ontario qui aura droit à des montants importants également. Alors, ça provoque une incertitude à savoir comment ça se déroulerait si vous avez une formule qui soulève ces défis. Évidemment, ça provoque un climat d'incertitude. Si d'autres provinces veulent faire un prononcé semblable à celui de Daniel Smith en Alberta. Alors, une question en lien avec vos processus à choisir quand vous voulez investir et délaisser un investissement. Qui prend de telles décisions? Alors, sur le terrain, pour les transactions actives, nous avons des équipes d'investissement qui étudient le fait. Par exemple, on achète hypothétiquement un actif en immobilier, font l'évaluation, ils vont dire c'est une bonne occasion à ce prix, pas ce prix cependant. Et si on l'achète, on peut l'acheter à ce prix-là, on va continuer à l'observer et sa performance.
Et on tient compte du mixte de risques. Regardez notre rapport annuel. Ceci parle du partage de notre portefeuille. Et vous allez voir, c'est conçu pour 85% équité et 15% plus sécuritaire. Alors, en lien avec notre équilibre risque et sécurité. Et les équipes d'investissement, nous avons des comités d'investissement qui font des révisions en lien avec les transactions qui sont vérifiées par le conseil d'administration. C'est très rigoureux. L'organisation, ce sont des spécialistes d'investissement principalement à étudier les actifs, lesquels devons-nous acheter, lesquels voulons-nous conserver dans notre portefeuille, toujours dans le contexte d'optimiser le rendement sans risque indu. Alors, l'idée de fonds de pension où on contribue, disons, X et la partie couverte par le RPC est, ouais, est-ce que ça a un effet dans les pensions des forces armées? Ça devient spéculatif parce que quelle est la nature? Le RPC est connu. Tout est connu. On génère les retours. Le rendement, on génère le rendement pour les plans des employeurs. Ils vont bâtir sur cette base parce qu'il y a une certitude là. Est-ce que ce qui arrive avec un APP et où sont les bénéfices de cet effet? Spéculation, on discute pour savoir dans le contexte d'un plan hypothétique comment ça pourrait s'élaborer. Je veux rester dans les certitudes du plan existant. Et l'avantage de la certitude, c'est justement sa certitude et d'autres plans peuvent jouer autour. Alors, nous parler d'un régime de pension du Canada étudié par l'expert en finance qui était M. Klein, l'ancien premier ministre de l'Alberta, il y a une vingtaine d'années. J'ai parlé avec des personnes qui étaient impliquées dans ça. Les frais de mise en œuvre étaient écrasants. Ce n'est parce qu'ils n'ont pas les relations semblables au gouvernement fédéral avec l'ARC. C'était un gouvernement libéral de l'Ontario qui croyait que le RPC devait être augmenté, devait être enrichi et le plan B serait de ne pas créer un nouveau régime de pension, mais d'enrichir et d'améliorer le régime de pension canadien pour l'Ontario. Et donc, ce fut une amélioration qui est entré en vigueur par la suite de toutes ces études. Avant le changement, le RPC voulait remplacer 25% d'un salaire de base. Et ceci menait à 25% d'un salaire industriel, donc 13 à 15 000 $. Et donc, il s'est indexé à l'inflation. Avec cette amélioration, on voulait que ce soit pour le tiers du salaire. Et c'est fait petit à petit par ce qui va mener, ce qui est instauré petit à petit, ce qui va mener autour de 20 000 $, toujours indexé au coût de la vie. Alors, personne
Personne ne va dire, ben oui, moi, je peux facilement vivre avec 21 000. Alors, c'est pour cette raison que l'Ontario a compris qu'il fallait améliorer le régime de pension du Canada pour je sais que certains d'entre vous opéraient dans un contexte de régime défini. Alors, pour le travail autonome, le RPC d'une province à l'autre vous accompagne dans votre cette partie de votre vie au travail. Nous voulons donc gérer, nous devons donc gérer de plus importantes sommes d'argent en raison des cotisations plus élevées. Qui va prendre la décision, à savoir combien l'Alberta va recevoir du fonds du RPC à leur départ? Selon ce que je sais, le gouvernement fédéral va devoir l'étudier, travailler avec la province à cet effet. Je pense que c'est le département des finances qui vont devoir étudier la question. Et la question est à savoir si on n'est pas d'accord, si la province n'est pas d'accord. Est-ce qu'on doit passer devant les tribunaux? Et donc, je ne peux pas en parler davantage parce que c'est plein d'incertitudes au pluriel. Et donc, le département des finances au fédéral est là pour composer avec cela. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes et je ne peux pas vous répondre clairement. C'est impossible. Et je pense qu'il est juste de dire que ce serait juste de dire que sûrement, ça passerait devant les tribunaux. Et donc, je devine que ça va au-delà de nos compétences. Alors, je veux vous remercier, Jeffrey, vous-même, pour la présentation en coulisses, Katie, qui joue avec les diapos. C'est fort apprécié. Et je veux remercier Patrick Imbeau et Sayward Montague qui nous aident et Amy Baldry. Et je veux remercier tout le monde qui a travaillé à cet effort. Nous allons partager l'enregistrement. Nous allons vous demander une certaine évaluation parce que je crois que ceci va se répéter dans les quelques années à venir. On apprécierait vos commentaires pour qu'on l'améliore. Vous allez recevoir ceci par courriel. Votre expertise au sein des investissements mondiaux de l'Office d'investissement du régime de pension du Canada est extraordinaire. Je constate qu'il est 14 heures, alors je vous salue et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à tous. Au revoir.